Salut à tous. Bon, vous aurez compris que les intros se suivent depuis quelques vidéos parce qu'on s'en va quelque part et on n'aura pas de signal, on n'aura pas de Starlink, on n'aura rien. Donc là, on est à 2650 mètres, on est dans les nuages. C'est ouf. Dans cette vidéo, Nazca. Donc évidemment, ben on va voir les lignes de Nazca. Ouais. Et donc, Julien voulait faire de l'avion. Je vous ai dit dans la vidéo, vous, c'est trop cool, vous profitez dans votre canapé. Nous, on paye l'excursion, on vous la partage gratos sur YouTube. Mais finalement, vous êtes peut-être mieux dans votre canapé pour certaines personnes. Ça s'est pas bien passé pour tout le monde. Mais finalement, c'est peut-être mieux du canapé en vrai. Ouais. Vous verrez ça dans la vidéo, c'était assez drôle. Moins pour certaines personnes dans l'avion. Alors mon regard se dirige par là. Non, sinon vraiment, c'était magnifique. En plus de l'avion, on va aussi voir certaines figures de Nazca avec le drone. Et ensuite, on se dirige vers la cité perdue de... Wayanka. Attends. On prend le papier. Cité perdue de Wayuri. J'étais pas loin. Et c'était pas ouf. Voilà. Mais il y a énormément de ruines au Pérou et vous verrez que certaines sont super étendues comme cette cité-là. On finit par arriver à Ica. Et bah vous verrez à côté d'Ica ce qu'il y a dans la prochaine vidéo. Allez, à bientôt. À bientôt, ciao. Bienvenue sur la chaîne XCG Family, où vous pourrez suivre notre aventure. Ça va, il est 9h du matin. Par contre, je suis réveillé depuis 5h30 du matin. Il y a un bruit de malade. C'est une ville bruyante, bruyante, bruyante. Après, on va pas se plaindre. Hein. On a voulu dormir aux portes du centre-ville. Donc, on est dans l'ambiance, quoi. On arrive à l'aéroport de Nazca. Et on hésite encore à savoir si on va faire le tour en avion. Enfin, moi, c'est sûr, je vais pas le faire. Mais Julien hésite. Les enfants sont au taquet, ils veulent y aller. Parce que sur YouTube, on a vu des vidéos et... pas ouf ouf quoi hein. Sur YouTube, j'avoue, je sais pas si c'est la qualité des films ou quoi, mais c'était pas fou fou ce qu'on voyait. Je pense que de le voir avec tes yeux ou de le voir en vidéo, c'est pas pareil non plus. Donc je sais pas, parce qu'après ça fait un budget. Est-ce que ça vaut le coup de mettre autant d'argent dans ça? Je sais pas. Bon, ma Marie, du coup, elle vient. Ça nous coûte 300 euros, mais par contre, on a un avion privé. Alors, c'est un peu le bordel parce qu'il vous a le pack tous. Mais là, il nous a fait un prix pour Alex. Moi, je voulais voler avec la Orange, là, au Mobilaire. Par contre, on a vu les commentaires sur TripAdvisor et Google. Il y avait eux aussi, là, et Aerophoenix. Et finalement, les meilleurs commentaires, c'est eux de Aero Nazca. C'est eux qui ressortent bien sur Google et sur TripAdvisor. Du coup, on est passé par eux. 300 euros. Pour nous 5. Donc là on se pèse, on va prendre un beau petit Cessna. Bon, en fait c'était soit on y allait à 4 et avec 2 personnes en plus qu'on connaît pas, et moi ça m'intéressait pas d'y aller avec des gens en fait. Et du coup, vu que Maria vient, et ben on a un avion privé que pour nous. Ah oui, j'avais oublié de vous dire, là il faut payer une taxe ici déjà, et ça coûte déjà, on en est à 337 euros. Ensuite il faut qu'on aille payer une autre taxe. On le savait, mais j'ai oublié de vous le dire. Donc voilà, au final on en est à 400 euros pour aller voir les lignes de Nazca. J'espère que ça vaut le coup, et en plus on vous partage ça gratuit en plus sur YouTube. C'est nous qui allons en profiter dans l'avion. Mais vous, vous allez voir ça gratos. Vous allez voir ça gratos dans votre canapé. Et ça rigole pas, on passe au scanner, hein. Comme dans un aéroport. Non, on a oublié d'enlever sa ceinture, elle a sonné. T'as sonné? Batterie externe toujours. Allez, c'est parti, on va voler. Voilà, comment les va? Voilà. On va voir le Cessna de Star Wars ou quoi? Bon bah, comme je me suis décidé à partir avec eux et que c'est des avions de 6 places et que c'est toujours minimum 2 personnes qui veulent voler, et ben on part direct parce qu'on a un avion privé. On a beaucoup regardé quelle compagnie prendre. Celle-ci, elle nous a fait 40$ pour Alex. C'était moins cher, nous on paye 70 les grands. C'était la seule compagnie qui nous faisait ça, mais on s'est dit ouais, c'est peut-être une compagnie pourrie. Et en fait non, parce que Aero Nazca, la compagnie qu'on prend, elle est super bien référencée sur Google. Donc je pense que ça devrait aller. Bon, Manon toute seule derrière, Alicia avec moi, Alex devant, notre pilote et le copilote avec papa qui sont partis chercher une GoPro parce qu'il y a un support de GoPro sur l'aile. Ok, on est prêt à démarrer, on a tous des casques.
en faut peu quand même. Hein. Chopper, il était pas ouf. Alicia, elle a vomi. Et Marie, c'est la pire. Ça va, Marie? Non. T'es contente de ton vol? Non. Non, mais j'ai failli m'évanouir surtout. Ciao, pilote! Toi, tu vas tomber ou quoi? J'ai pas vu toutes les figures après le chat, le chien. Alors, Marie, ça va mieux? Ah, j'ai du mal à marcher. J'ai des fourmis aux mains, aux pieds. À un moment donné, j'avais l'impression que j'avais le ventre qui allait exploser. Ça va, ça va. Et Alicia, toi, ça a été quand même? Bah, j'ai vomi tout le monde. De toute façon, on le sait, c'est les deux là qui sont malades. Et Alex, il était pas ouf à un moment. Et Manon et Julien, pétagoulard. Je peux vivre dans un avion, moi. Bon, bah voilà, ça nous aura coûté 400 balles l'histoire pour être malade. La prochaine fois, toi, tu viens plus. Non. Toi, tu viens plus. Et toi, c'est pareil. Qu'est-ce qu'on va emmener trois malades dans un avion? Pourquoi faire? 70 euros, 75 euros pour emmener par personne? Pour que vous soyez malade, autant qu'on y est avec Manon. Hein. Bon, par contre, c'est un truc de fou. Hein. Il y a des avions partout, partout, partout. Ça n'arrête pas. Tous les quarts d'heure, il y a un avion qui sort, quoi. C'est impressionnant. Celui-là qui rentre. Celui-là qui démarre. L'autre qui devait atterrir, mais qui repart. Je sais pas ce qu'il fait. J'ai l'impression qu'il tourne mal, il pétarade lui dans le ciel. On a quitté l'aérodrome. Normalement, le parking, c'est 6 sols, mais personne ne nous a rien demandé. Alors, on n'a pas payé le parking. Mais bon, vu qu'on a lâché 400 balles, je pense que c'est pas très grave qu'on n'ait pas payé les 6 sols. On part en direction de Ica, la prochaine grosse ville. Et sur la route, on va s'arrêter voir d'autres figures. On se plaignait en Bolivie des péages. Il y en a aussi au Pérou, mais la plupart, on paye pas. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre. Il y a 4 extrêmes qui viennent nous écrire comment elle s'appelle. Andrea. Je vomito en este vuelo. Ah bah elle a vomi, je suis pas la seule. En fait, si vous regardez les vidéos sur YouTube ou si vous regardez les commentaires à Overlander ou autre, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde qui vomit pour aller voir les lignes de Nazca parce que les pilotes, ils tournent en fait pour voir les figures. Et du coup, ça fait vomir quoi. On a une vue sur le chat qu'on a survolé en avion, mais là on le voit de beaucoup plus près. Alors si comme moi l'avion c'est pas pour vous, vous avez cette option là, c'est un mirador. Donc il y avait déjà la colline du chat où vous pouvez voir le chat et d'autres lignes. Et le mirador à 6 sols, je crois, faut payer. Et là, vous voyez le lézard, l'arbre et les mains. Donc là, on va passer au-dessus du lézard. Ouais, c'était là, là. Bon, le soleil commence à se coucher. On a quelques autres figures là qu'on vient de passer, mais on voit plus trop grand chose. Donc on choisit d'aller au bout de la piste. Là, il y a un orque à voir sur une montagne. Donc on va aller dormir là-bas pour pouvoir le voir demain et peut-être faire un peu de drone. Alors, pendant qu'on va manger, qu'est-ce qu'on va regarder? Fred et Jamie sur les lignes de Nazca. Allez Marcel. On y va Marcel, c'est parti, attention. Allez, bonne soirée à tous. Vous en pensez quoi? C'est nul. Moi je pensais que c'était plein dans le sol. Bah ouais. À la verticale et on voit pas toute la tête, du coup c'est nul. C'est nul, bye. Bah va regarder sur le drone, papa il le filme. L'orque de pierre fait 68 mètres de long pour 25 mètres de haut. Ce pétroglyphe aurait environ 2000 ans, ce qui correspond à la transition entre la civilisation Paracas et la civilisation Nazca. Cette figure serait une divinité de la mer, combinant un corps de cachalot avec un orque. Les géoglyphes de Nazca, communément appelés lignes de Nazca, sont de grandes figures tracées sur le sol en retirant les cailloux de surface sombre pour faire apparaître le sol plus clair. Les lignes peuvent faire plusieurs kilomètres de long.
Elles franchissent les ravins et escaladent les collines sans que leur forme ou leur rectitude ne soient affectées. Elles auraient probablement été réalisées à la façon d'un pixel en reportant les carrés à l'aide de pieux et de ficelles. Beaucoup de théories ont été émises sur ces figures. Elles représenteraient un calendrier astronomique, un site rituel, une zone artisanale de tisserands, des pistes d'atterrissage de vaisseaux spatiaux, des réseaux d'irrigation ou encore un système d'écoute des ondes sismiques et pourquoi pas les traces d'une ancienne civilisation de géants. En face, on voit encore quelque chose. Alors, est-ce que c'est une inscription récente ou pas? Et là, on va essayer de s'arrêter dans des ruines. Bon, du coup, là aussi, on est dans le géoglyphe, mais c'est plus récent, quoi. Petit champ de cactus. Il y a de la figue de barbarie à manger ici, j'imagine. Warango millenario. Bon bah a priori cet arbre il est millénaire. Respect. Donc pour vivre 1000 ans, il faut toucher l'arbre. Ouah, 1000 ans c'est beaucoup. Allez, on l'embrasse. Des fois on a des sacrées histoires quand même. Et demain? Non mais Julien, il entraîne ses enfants à faire n'importe quoi. Voilà. Moi je veux pas dire, mais ils l'ont quand même bien planqué leur cité. Hein. C'est pour ça que d'ailleurs que ça s'appelle la cité perdue. Vu d'en bas, on voit pas grand chose et heureusement, Julien vous a fait des images en drone. C'est parti, on vous les met maintenant! La citadelle de Waiouri, plus connue sous le nom de Cité perdue de Waiouri, se situe dans un large canyon rocailleux, invisible depuis la vallée, d'où son nom. Les études archéologiques ont estimé l'occupation de la cité de 1300 à 1532 après Jésus-Christ. Le site a une surface totale de 22 hectares, avec une forte densité de construction dans le canyon principal. C'était vraisemblablement une ville par laquelle passait le chemin des Incas et qui s'est maintenue durant l'époque coloniale. Durant l'occupation Inca, Waiouri était le centre politique le plus important de la vallée. Une partie qu'ils ont a priori rénovée parce qu'il y a du ciment. Et ce qu'on voit ici, c'est des parties qui sont restées telles quelles. Et si on prend pas du recul, on voit pas vraiment les formes. Mais là-bas, on voit un peu le quadrillage, comme au drone. A priori, c'était une ville ici, c'était pas un centre cérémonial ou quoi. Les gens y vivaient. Ils vivaient principalement de l'agriculture et il y avait une source en amont qui permettait d'alimenter la ville. Mais vous voyez maintenant, il n'y a plus du tout d'eau ici. Avec les variations climatiques, en fait, il y a eu une période où l'eau arrivait jusqu'ici et là on est plutôt sur une période sèche. Mais on voit quand même que quand il pleut, il y a quand même un passage d'eau ici.
Et sur place, on retrouve encore des fragments de poterie. Imaginez que tout ça a plus de 500 ans. C'est un site archéologique, mais c'est quand même vraiment étrange parce que c'est un peu comme laissé à l'abandon. Donc, je ne sais pas si c'est des os humains ou des os d'animaux, de leur repas ou quoi. Mais regardez, il y a carrément un fragment de poterie avec des dessins. Ouais, tout est vraiment resté un petit peu comme s'ils avaient commencé et puis il n'y avait plus de fond et le site a été laissé comme ça. D'un autre côté, le site est tellement étendu que pour le remettre en état, ça demanderait un travail de titanesque. Nous voilà arrivés à Ica, c'est le bordel! Faut forcer pour passer. Ah, le tuk-tuk avec les lumières LED. Ah! Là, c'était chiant. Je te pousse, mon ami, je te pousse. Il a eu peur ou pas? Pas, moi oui, enfin j'ai eu peur pour lui parce que nous on n'aurait pas eu grand chose. Là les tuk-tuk, c'est la course, c'est un rassemblement, un rasso. Attends, c'est le rasso des tuk-tuk. Et où est-ce qu'on va? Tu l'as dit, on va manger de la mauvaise bouffe à l'autre bout du monde. Comme dirait Robert, le mac-truc, je vous comprends. Le mac-merde, qu'est-ce que vous allez manger comme merde à l'autre bout du monde? Ben c'est quoi? C'est même pas une fois par mois, je dirais plutôt c'est trois fois par an qu'on va manger de la malbouffe. Bon, on a laissé le camion là, apparemment il y a des voleurs. Juste pour aller bouffer un Burger King, vous allez me dire. Hein. Ben oui, mais bon. Bon, on verra bien. On a demandé aux gens de devant, il m'a dit je suis encore là une demi-heure. Ingresso à la tienda. Allez, on rentre par Sodimac. En attendant la prochaine vidéo, vous pouvez aussi nous suivre sur Instagram et Facebook.